Hey Wagon, ce que je viens de recevoir de la part de PUBG Mobile, on aurait dit un colis tombé droit du ciel, mais plutôt c'est tombé devant de chez moi. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, j'ai une idée, on va faire une partie d'Evic. Si je fais top 1, je vais le déballer avec vous et vous montrer ce qu'il y a dedans. Hey, bien le bonsoir tout le monde, ici c'est Gen Z, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous fais ce petit gameplay avec le nouveau skin légendaire qui vient de sortir, Quantum Storm, ce qui se traduit en français en tempête quantique, ce qui devient rapidement moins stylé. Avec ce skin, tu possèdes un propulseur qui te permet d'atterrir plus rapidement, du moins c'est l'impression que ça donne. Dites-moi en commentaire si vous voulez obtenir ce skin. C'était plutôt un très bon atterrissage, rien à dire. Ok, petit UMP. Ah. Free kill. Mais où est-ce que tu vas, mon ami? Viens là. Oh, il est allongé. Il est allongé. Il est pas sérieux. Oh là là. Ils n'ont pas eu de chance. Hein. Mais mon ping, c'est à 50, 200 ms. Mais ouais, c'est pas possible. Ça monte, ça descend. Mais bon, on va pas se plaindre. Allez, meurs. Ouais, on va pas se plaindre. Je suis quand même Gen Z. Je n'ai pas besoin d'une bonne connexion, d'avoir 20 ms pour jouer correctement. Je commence à devenir comme les Malagasy. Attends, il y a quelqu'un qui s'approche là. Il est pas très loin. Mais j'attends aussi des pas. Allez, le petit prévise. On appelle ça préviser en cas où l'adversaire s'approche en... Il y a quelqu'un en haut, sur le toit. Je veux pas prendre de risques. On écoute et on regarde l'environnement. On fait des zigzags. Ah ouais, c'était un Victor. C'était fastoche. Le petit loup. Il n'avait rien demandé en plus. Je dois faire attention. Vas-y. Le gossi, oh god, mon ping. C'est rouge. A priori, c'est passé à 100 ms maintenant. Bon. Mais le problème, c'est que ça monte, ça descend. Ouais, c'est passé à 200 ms maintenant. Par contre, le bot, allez. Je vais pas les laisser voler mon petit kill. Let's go le finir. Wesh. Aide. Et mais c'est passé à 400, 300. Oh là là. Maintenant à 200 ms. J'ai fort l'impression qu'il y a quelqu'un ici. Il se cache forcément. C'est bon, maintenant je peux entendre les pas. C'est sûr, c'est confirmé. On va vite passer à l'attaque. Ah ouais, il m'a l'air d'être un bon joueur. Faut faire attention. Il va toucher. Oh là. Il va se courir. Ça va pas se laisser faire. Ah, j'ai déjà 10 éliminations. Par contre, petit bot. Allez, vite le finir. Oh la M24. Wesh, il est sur le toit. Faut faire attention là. C'est dangereux. Il est dans le high ground. Il a la hauteur. Ok, c'est bon. Voilà. Non, mais il s'est pas monté. Voilà. Ah, j'attendais pas de ce côté-là. Ouais. Forcément, il se cache quelque part, mais il faut faire attention. Vas-y, sors. Ah, mais... Ouh, pleine tête, petit. Pause astuce, les amis, vous pouvez remarquer que même si je ramasse un casque dans la partie, cela n'apparaît pas sur ma tête. C'est possible grâce à un paramètre que j'ai réglé qui permet de masquer le casque. Pour faire de même, clique sur inventaire et là tu vas cliquer dans paramètres inventaire. Et vous, boum, vous allez voir cette page s'afficher. Là tu vas scroller et ensuite tu vas trouver l'option masquer le casque en match. Il suffit d'appuyer sur activer pour masquer le casque en match. C'est quoi l'utilité? Eh bien, si tu as le skin d'une coupe de cheveux, il va falloir le voir, mais si cette option est désactivée, le casque va cacher cette coupe. Je pense que vous allez me dire que le casque aussi il a un skin, pourquoi ne pas l'afficher? Le skin du casque sera affiché dans le point de vue de l'adversaire, mais toi tu ne le verras pas, tu verras plutôt la coupe que tu utilises. Mais bon, de toute façon, tu peux désactiver cette option à tout moment. Activation du mecha. Je suis sûr qu'avec le mecha, je vais théoriser tous les week. Let's go.
Ah, il y a un gars. En fait, il y a deux gars. Il y a un seul de côté gauche. Je vais d'abord observer l'environnement. Let's go. Et bah, c'est Superman ou quoi? Non, c'est plutôt Iron Man. Ok, c'est good, il vient sur le toit. Attends, non, mais en fait, je crois qu'il vient pour voler mon méca. Let's go, entrer à l'intérieur. Ah, le voici. Oh, le fils de plume. Par contre, il y a des adversaires. Voilà. Ah ouais. J'ai pointé exactement ici. Et il était effectivement ici. Aïe, aïe, aïe. Regardez, je suis Iron Man, les amis. J'utilise le jetpack juste pour passer d'une maison à une autre. Tu imagines le risque que je prends? J'entendais pas sur le côté gauche. Ça doit être le gars que j'avais, qui m'avait mis l'eau, en fait. Ça y est, il vient d'entrer dans la maison. Et moi, je vais pas attendre pour le push. Voilà, fils de plume. Un autre adversaire. Ok, c'était nice. Encore d'autres. J'ai plus de balles. Miss. Il va me falloir trouver des balles. Des munitions. J'ai pas mal de munitions maintenant. Ah mais s'il n'est pas assommé là. Comment ça se fait? Par contre, ça va être risqué de push comme ça avec le mecha qui est à proximité. Mais wesh. Ah ouais, le voilà. Vas-y. Il a pris une tête. J'ai cru. Mais la zone aussi. Ça met pas mal de dégâts en fait. Ah oui, c'est Tony, le gars que j'avais éliminé avant. Pauvre Tony. C'est le moment où il faut se soigner. Trois personnes à vie, deux adversaires. Je dois faire le top 1 pour vous montrer le colis, les amis, ce qu'il y a à l'intérieur du colis que j'ai reçu de la part de PUBG Mobile. Alors pour ceux qui se demandent. Pourquoi je reçois des colis de la part de PUBG Mobile? Eh bien, c'est parce que je suis en partenariat avec eux. Donc, c'est ça. Bon, maintenant, il reste un seul ennemi à éliminer là. Je vais vite finir ce gars avant qu'on le réanime, son adversaire. Alors, son coéquipier doit pas être très loin. Let's go en zigzag pour le chercher. Voici donc le colis reçu de la part de PUBG Mobile. Après avoir déballé, voici donc la petite boîte. C'est plutôt stylé. Et après avoir enlevé la couverture, voici donc ce qu'il se trouve à l'intérieur. Une plaque d'honneur pour le 6e anniversaire de PUBG Mobile avec écrit dessus Gen Z Gaming. Je crois que c'est en or. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et merci à PUBG Mobile pour ce cadeau. Mais il est où? Où est-ce qu'il se cache? Ah, ok, c'est bon. Voilà. Par contre, il a auto-réanimation. Je vais le troller. Je vais le troller, les amis. Je vais le laisser se réanimer et après, je vais l'éliminer. Allez, réanimation. Réanime-toi, frérot. Réanime-toi. Voilà. Laisse un like si tu as aimé cette vidéo et abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne. Sur ce, c'était Gen Z. Allez, bise! Just a piano man, songs on top of charts. I heard them, I'm not a fan. Niggas talking greedy, I'm the one that gave them their chance. Somebody need to tell them that they